Bonjour et bienvenue sur l'Argus, bienvenue au Mondial de Paris et plus précisément sur le stand Peugeot où est exposée ici une partie de la gamme 100% électrique du constructeur français. Alors la marque Lyon n'a pas de grosses nouveautés à présenter cette année, mais elle profite de l'événement pour lancer une nouvelle version sur ses i3008 et i5008. Les deux SUV au Lyon se déclinent dans une nouvelle déclinaison baptisée Long Range pour grande autonomie. Ils reçoivent donc chacun une grosse batterie de 96,9 kWh et un moteur de 230 chevaux. Résultat, l'autonomie grimpe à 700 km pour le i3008 et 668 km pour le SUV familial 7 places i5008. Avec cette version, le nouveau i3008 fait désormais arme égale avec son concurrent, le Renault Scénic E-Tech. Il s'affiche d'ailleurs au même tarif que le SUV au losange, à 46 990 € dans cette version grande autonomie, hors déduction du bonus de 4 000 €. En face, le i5008 n'a très peu de concurrence sur son segment, surtout en version 7 places. Il s'affiche, lui, à 51 490 €. Juste à côté, on découvre cette nouvelle Peugeot i408. Alors la i408 a été présentée ici même il y a 2 ans. Elle se décline désormais dans une version 100% électrique et pourtant elle conserve le même style que la version PHEV qu'on connaît déjà sur notre marché. Alors cette nouvelle version électrique de la berline surélevée profite d'un ensemble batterie-moteur plus performant que celui de la i308. Elle propose 453 km d'autonomie grâce à un accumulateur de 58 kWh et un moteur de 210 chevaux. Son tarif de base s'établit à 43 990 € hors déduction du bonus écologie de 4 000 €. Juste à côté de cette berline surélevée, on retrouve le concept Inception, découvert pour la première fois au CES de Las Vegas en 2023. Alors, ce prototype quelque peu futuriste sert surtout de laboratoire à la marque Lyon et puis elle préfigure le style des futurs modèles de la marque. Alors à l'intérieur, on y découvre un volant façon monoplace de Formule 1 ou encore d'endurance. Ce volant, sachez qu'il équipera les futurs modèles de série à partir de 2026 et on a pu tester une première ébauche grâce au simulateur juste derrière nous. On y va, allez, venez. Alors sachez que ce volant, il n'arrivera pas de série telle quelle. On ne retrouvera pas cet écran central qu'on a ici au milieu, tout simplement pour des questions de coût. Ça va coûter cher à développer et on ne pourra pas retrouver cet écran sur les modèles d'entrée de gamme. Et puis, il se pose aussi la question de l'intégration de l'airbag. Du coup, sur les modèles de série à partir de 2026, on retrouvera un volant plein avec notamment une nouvelle génération de e-cockpit juste derrière le volant. Et puis en termes de sensations, ça reste encore un simulateur, donc on n'a pas encore les vraies sensations qu'on retrouvera sur les modèles de série. Mais sachez qu'on n'a plus une commande mécanique, tout est désormais géré électroniquement. Du coup, pour faire des créneaux, on n'aura plus besoin de faire 2 tours de volant. Là, vous voyez que j'arrive en butée à environ 150 degrés, donc ça, ce sera plutôt intéressant. Il restera quand même à voir ce que ça donne sur la route. On a hâte d'essayer tout ça et ça devrait sortir sur la i208 et le i2008. Et puis Peugeot profite aussi de l'occasion pour promouvoir à sa clientèle sa nouvelle offre de recharge Free to Move ainsi que sa garantie 8 ans et 160 000 km baptisée Allure Care. Alors malheureusement, cette couverture est réservée au modèle électrique. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'elle aurait davantage servi au modèle thermique. Notre petit tour du stand s'achève en beauté avec cette magnifique 9X8, l'hypercar engagé en championnat du monde d'endurance et qui a participé aux dernières 24 heures du Mans. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le stand Peugeot, elle vaut clairement le détour. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Argus.fr et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.